Maintenant, compétition arrivée, c'est pour le Qatar, premier adversaire nous. Qui impression sur le match Qatar là? Qui impression sur le match Qatar là? Déjà, je suis content parce que moi, que jeudi à veille de match, tout n'est vraiment concentré. Je me sens le groupe là vraiment concentré, tout n'est que involve. So, j'espère que demain, soutenir la même gens. Ou qu'on est premier match là, c'est un match qui est décisif dans une compétition. So, j'espère que tout le monde sous ça et puis n'attend après. Pour entraîneur, il a gagné un peu d'ambition, mais nous pouvons avancer dans la compétition match après match, suivant ça que suivant et plan de plan ligne la compétition. Pour nous mêmes joueurs, dans tête nous c'est match après match ou bien nous gagnons très loin. Je pense que c'est match après match. L'état doué match après match, puisque Jean-Mo dit nous c'est en compétition, tout le monde veut gagner, c'est qu'on s'allie. Après tout match nous pouvons compter points yo, pour nous connaître qui côté nous y est. Mais c'est normal que nous projetions tête nous loin, parce que nous étions loin déjà dans compétition comme ça. Nous connaissons qu'une capable. Pour moi-même, le groupe ça gagne un pile talent. So, faut que nous rendions le peuple content, ou qu'on ait une situation pays difficile. Nous tous conscients de ça et c'est en mission nous y est, so, nous pourrons faire tout ça capable. Demain c'est contre le Qatar dans NRG Stadium. C'est un stade qui rappelle tout de même un pile bon souvenir. Il y a un pile bon souvenir. Pour me bien dire, je ne me même rappeler ça me t'est fait hier. Parce que même pas tellement bon, mais en match tout cas. Le match contre le Canada. Oui, le match contre le Canada, ça c'est un qui a prêté dans le dans la tête moi, pour la vie. Parce que c'était un bel match que nous avons joué. Mais je dis à nous en 2023, je pense que c'est une autre année, c'est une autre histoire. Il faut que nous suspendions pas les 2019. Et j'espère que année ça, nous avons fait mieux. N'empêche que Nazon, vous gagnez en somme deux Gold Cup derrière de vous. Et ou encore présent et cette année, vous gagnez de nouveaux joueurs qui arrivent. Dans quel état d'esprit où est le groupe là actuellement par rapport à la compétition antérieure que nous jouons déjà? Gold Cup antérieure. Oui, là c'est quatrième Gold Cup que je peux faire avec l'équipe là. Je suis fier de ça parce que je gagne en toute génération, toute bagaille. Que j'aime dire ça, c'est comme si c'est une transition, j'étais en transition. La so, différence là, je pense que si je prends avec 2019, le groupe là était vraiment très soudé, très uni, c'est ça qui fait que nous sommes loin. C'est pas tellement qualité groupe là, parce que je pensais que jeudi nous gagnons vraiment plus qualité, nous gagnons un bel joueur boule, belle bagaille. Je pense que peut-être qu'il a manqué un petit coup. En cohésion de groupe, tant qu'il pifote. Mais on travaille sur ça. On a un monde qui gêne, un monde qui fait que vient dans la sélection. À chaque fois, là où on a un nouveau groupe, c'est difficile. Mais on a fait quand même, on a travaillé sur ça. Tout le monde a une bonne mentalité, une belle atmosphère. Donc, on a pour quel côté nous aller. Alors, et au-delà de la Gold Cup, il y a des échéances importantes à venir. Mm-hmm. Et après la Gold Cup, il y a la Ligue des Nations, que nous retournons dans la Ligue A. Il y a une possibilité pour nous aller dans la Copa América. Et qui a fait en 2024, a gagné la Coupe du Monde 2026. Qui chasse nous-mêmes, groupe ça, pour nous être présents dans une grande compétition ça, et aller le plus loin possible dans la Ligue A. Je pense que c'est une pile chance, puisque nous connaissons pour la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada, qui sont qualifiés déjà. Et je pense que pour moi-même, avec toute humilité, c'est seule équipe ça qui est devant nous dans la zone. Je pense que nous avons place nous pour nous jouer pour compétition ça yo. Copa América à tout, Ligue 1 a commencé Kounia. Si nous faisons une belle compétition, nous sommes capables de jouer une place nous pour nous représenter Haïti l'autre bord. So, nous avons pile échéance, en pile bagaille, il faut que nous mettions tête sous épaule nous. Et il faut que nous baillons le maximum de nous-mêmes pour nous représenter Haïti dans toute compétition ça yo, compétition internationale. Ça alors pour nous finir, nous avons l'impression publique haïtien en Renazon différemment de tout le monde. C'est-à-dire. Nazon leur chouchou. Je ne sais pas si au style ou comme ça, mais en tout cas, il faut que le peuple connaisse que le style dans lequel c'est vrai que tu as une déchirure. Nous connaissons ce qui est passé avec la sélection et moi-même, etc. C'est des bagailles qui sont dans le passé. Même pas de jambes liées. Et je continue à battre tout moi-même sous terrain pour PIA, pour le peuple, parce que il y a plus de monde qui a souffert l'autre bord. Je connais qu'il y a un peu d'innocents, il y a un peu de monde qui n'a pas mérité ça à vivre. Mais nous-mêmes, la bataille pour un Haïti fier. Et puis, en tout cas, moi-même, personnellement, je continue à battre tout ça que nous avons pour nous. Et puis, je remets le peuple là.